Des rats en décomposition ont jeté sur le parvis de la mairie de Roubaix. Le geste est fort et il est à la hauteur de la colère des habitants. Des Roubaisiens se disent envahis par les rats et les souris. Ils réclament à la mairie qu'elle prenne ses responsabilités en nettoyant les rues et les canalisations. Une pétition circule actuellement et a déjà recueilli 400 signatures. Du côté de la mairie, on se défend et on explique que chaque année, une campagne de dératisation a lieu. Selon la mairie, si les rats sont de plus en plus nombreux, cela serait dû au manque de civilité de certains habitants. Enfin, elle rappelle que du blé empoisonné est à leur disposition en mairie. En attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé, les habitants sont excédés, comme a pu le constater Idil Gunay. J'ai un rat, maintenant il était dans le mur, j'ai fait venir logicide, il m'a donné des graines. Les graines, le rat, ben, il en rigole. Et puis maintenant, le rat, il est dans mon placard. Alors quand je vais aller chercher ma vaisselle ou bien mon produit d'entretien dans la porte d'à côté, eh bien je dois taper comme une folle parce que j'ai le rat qui est dans ma maison. Je suis prête à donner toute ma pension pour acheter un petit chien pour... un petit ratier pour pouvoir vivre dans cette maison. Je vis du matin au soir dans cette peur. Je ne peux plus. Je suis en dépression. Je suis en dépression. Et s'il vous plaît, il faut faire quelque chose pour moi parce que je ne peux plus vivre comme ça.